Allons-y, le jeu est payant. Le jeu est payant, le jeu coûte 20 euros, je crois. Saison 1, la guerre du feu. Alors, soit on commence tribu jaune. Donc là, on a le choix de commencer soit tribu jaune, soit tribu rouge. Ok. On peut être Martine, Sarah, Mathieu, Valentino, Anne ou Fred. Ou alors Vincent, François, Ethan, Déborah, Marie. Les boucs se ressemblent un peu quand même. Hein. Je dis rien, mais entre Ethan, Vincent et Mathieu, les trois là, là, il y a quelque chose, quoi. On sent que... Et même lui un peu. Lui, il y a... Il y a un visage. Moi, je vais me prendre un mec. Hein. Ethan, je l'aime bien. Et il y a Loana à toute fin. J'avoue que Ethan, il peut me plaire. Ethan, il est déjà un peu accroupi. Après, Vincent, il a l'air chaud. Hein. Vincent, il a l'air chaud. Hein. Mais je prends Ethan. Ethan, il est au sol. Tu le sens aventurier. Tu le sens un peu Théoura. Deux. Oh là, c'est que de la musique. Bon, par contre, quand tu joues et que t'es fan de Koh-Lanta, t'es dedans, quoi. Parfait. Alors, comment on joue? La guerre du feu. C'est nous. Jour 1. Ah, oh, on se sent aventurier. Hein. Alors, attendez, merde. Parce que ici, il faut que je mette... Faut peut-être que je me décale. Je me décale un peu, comme ça, vous êtes bien. Vous voyez absolument tout. Hâte de voir Denis. Bienvenue pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Très loin de la France. C'est dans cet archipel idyllique, du moins en apparence, que les 12 aventuriers vont se retrouver. Koh-Lanta, c'est une aventure totalement inédite. Et elle commence maintenant. 2 tribus, 12 aventuriers. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Très mal fait la musique. Mais en tout cas, le drone était pas mal. Le drone était sympa, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose quand même. Les graphismes. Les deux équipes sont formées. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est ici, sur cette plage, que les deux tribus vont disputer leur première épreuve de confort. L'épreuve de confort est sur le point de débuter. Putain, il n'y a pas de transition, quoi. Si vous la remportez, vous gagnerez de quoi vous remplir le ventre. Merci. On y est, quoi. Tirez la corde vers votre camp. Il n'y a pas de... Let's go, quoi. Ça... Allez, tirez la corde vers votre camp. Donc du coup, tirez la corde en rythme. A, B, I. Ok, donc ça va être un truc de rythme. Gardez le rythme si vous ne voulez pas que l'équipe adverse prenne le dessus. Ouf. Gardez un œil sur votre endurance. À court d'endurance, il est plus difficile de tirer la corde. Oh, je vais réussir à merder, je vais me faire éliminer au premier conseil. Oh putain. Oh putain, ça va vite. Qu'est-ce que je fais? C'est parti. C'est où? Y. Oh merde. X. B. A. J'ai loupé le A. A. Y. X. Oh, B, je l'ai eu. B à nouveau. Ah, épreuve, on les a fumés. On les a soulevés. C'est tout? On a le confort. Frérot, faut que tu fasses un jeu à Koh-Lanta, s'il te plaît. Il y a quoi dans Koh-Lanta, du coup? Bah, en fait, t'as des aventuriers sur une île et il y a des épreuves. Boum. Aventurier, île, épreuve. Zéro musique. J'ai baissé la musique à 20, mais je pense qu'on l'entendrait quand même. Donc, alors, victoire. Je t'avais prévenu, MDR. Non, mais il y a peut-être des trucs quand même. L'épreuve a puisé dans vos réserves d'énergie. Moins 5. Vous remportez un énorme poisson. On a plus 10 en bouffe et plus 3. Donc, ça, c'est les différents trucs. Ça, c'est l'eau. 98 sur 100. Très bien. Et moi, je suis là-bas, hein, je vous rappelle. Je suis le gars en petit caleçon sympa, là. Alors, on peut se check peut-être. X. Oh, tout. Donc ça, c'est les liens entre tout le monde. Pour l'instant, on est neutre avec tout le monde. Ah, on peut voir un peu s'ils sont potes, s'il y a des faiblesses et tout. Ça, c'est pas mal, ça. Totem, alliance. Non, mais attendez, il y a peut-être quelque chose, quand même. On revient. Bravo, vous pouvez rentrer sur le camp et profiter de votre victoire. Tout le monde est content. Ah, je peux peut-être me faire des potes. Après-midi. La tribu arrive sur le camp galvanisée par sa première victoire et la récompense de l'épreuve de confort. Mais l'équipe ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Ce n'est que le premier jour de l'aventure et il y a plein de choses à faire sur le camp. François, vous pouvez aller près de la plage pour chercher des noix de coco avec François. Vous pouvez partir en forêt pour ramener du bois. Repos. Non, non. Vous pouvez rester sur le camp pour l'améliorer. Bah, avec Vincent et Loana, à deux. Vous pouvez vous rendre à la source pour remplir les gourdes. Mais attends, mais moi je reste sur le camp avec Vincent et Loana. Comme ça, c'est direct. Comme ça, je me fais un lien avec deux potes.
On améliore les trucs. J'ai deux potes. Boum, on est déjà une alliance à trois. On fait sauter qui, les gars? 1 minute 50. Je dois faire quoi? Je dois ramasser les crabes? Putain. Salut, frère. Ça va? Vous vous approchez de Vincent pour discuter. Que voulez-vous faire? Discuter stratégie, le laisser tranquille. On discute strat. Il veut bien discuter avec vous. Vous voulez lui demander son intention, lui proposer une alliance long terme, lui proposer un vote ciblé. Alliance long terme. Vous proposez à Vincent de former une alliance. Il vous répond clairement qu'il ne souhaite pas former d'alliance avec vous. Putain, c'est cash. Ah, y'a pas de... y a pas de... Bon bah dommage. Vous continuez votre discussion avec Vincent. Sinon ça va, t'as vu des crabes toi dans le coin? Discuter stratégie. Bon, on va le laisser tranquille peut-être, hein. Bon bah bon feeling avec le Vince, hein. Hop, bah je vais... Voilà, je vais faire des trucs pour le camp maintenant. Hop, on va ramasser un peu. Voilà, c'est bien. Bah, je... Salut Loana! Tu veux faire une alliance avec moi? Non mais l'autre va nous voir. Elle vous regarde et s'emprête à discuter. Tu veux faire une alliance? Allez Loana. Elle accepte votre proposition, elle vous suivra sur les prochains conseils. Performance solo. Vous tentez d'échanger encore quelques mots avec Loana. Bah moi je suis chaud de voter contre Vincent. T'en penses quoi? Je pense qu'il nous entend pas. Donc, je suis chaud de le faire sauter, je l'ai pas trouvé ouf, moi. Lui proposer un vote ciblé. Proposer à Loana de voter contre un aventurier. Elle accepte et vous demande contre qui vous souhaitez qu'elle vote. Bah, Vincent. Moi, je vote contre Vincent. Loana accepte votre proposition. Elle votera contre Vincent au prochain conseil. Bah, voilà. Voilà, Vincent, ce que c'est de jouer au con, Vincent. Hein? Fais-moi le malin, là, Vincent, hein. Loana s'éloigne tranquillement. Eh ben, voilà. Eh ben, on peut reprendre nos activités. Qu'est-ce qu'on faisait, nous, déjà? Aïe, 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 le Vincent. A voulu faire le malin, le Vincent, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? On ramasse des pierres. Pourquoi pas? Ça, c'est, je peux ramasser derrière? Attendez, parce qu'il faut que je serve à quelque chose pour le camp, en fait. Sinon, là, j'ai deux briques. J'ai deux bouts de bois, là. 40 secondes. Putain, c'est bientôt la nuit, en plus. Mais c'est où, notre camp? Putain, je peux pas tourner la cam. Retourner au camp. Putain, tu peux pas... Ah, c'est tout, j'aurais dû garder 40 secondes de plus. Oh, tout le monde a le seum contre moi. Tribu rouge, vous avez rapporté des ressources pour le camp. François a rapporté de la noix de coco sur le camp. Déborah a rapporté du bois. Marie a rapporté de l'eau. Moi, j'ai ramené aussi des trucs, hein. La fin de journée est propice aux discussions en tout genre. Vous avez faim, mais il n'est pas l'heure de manger pour la tribu. Pourquoi je suis à genoux comme ça, là? Que faites-vous? Alors, vous avez faim, mais il n'est pas l'heure de manger pour la tribu. Les deux choix que j'ai, c'est soit je vais tout seul me préparer un truc, soit je demande s'il est possible d'avancer l'heure. Bon, on demande d'avancer l'heure. Vincent et Loana ne sont pas dérangés. Ah bah Vincent, hein, de changer leurs habitudes. Vous appréciez la compréhension de tous. Les maux d'estomac sont souvent les plus difficiles à gérer. Premier jour. Le deuxième jour. D'entrée de jeu. Quelle nuit magnifique, vous êtes au top. Nous, on est bien. Hein. Je suis à 98 sur 100 en termes de forme. Donc, j'avoue que nous on en a rien à foutre. Hein. On est quasiment au max, là. Attendez, excusez-moi. Hop. Le feu crépite joyeusement. Donc, 3 bois en moins. Il nous en reste 8. On a 8 de boissons, 17 de bouffe, 8 de bois. Vous apercevez un banc de poissons au large. Faut que j'y aille. Vous êtes fasciné par la faune et vous décidez de les regarder nager de loin. Bah, je vais pêcher. On kiffe toujours les pêcheurs. François essaie de vous dissuader de les pêcher alors que Vincent vous encourage. Son ventre gargouille à ne plus en pouvoir. Mais qui ne veut pas, honnêtement, dans Koh-Lanta, que quelqu'un aille pêcher? Ah mais Vincent, du coup, j'ai décidé de voter contre lui et finalement, il nous fait chier. Finalement, enfin, il est avec nous. C'est également beaucoup trop faim pour le laisser entretuer. Vous ne savez plus s'il faut avoir de l'empathie pour les animaux ou qui vont vous permettre de manger. Bah là, on les graille. Hein. Tout le monde se sert dans la réserve d'eau ce matin. Moins 6 d'eau. Vous prenez le petit déjeuner avec les autres. Moins 6 de bouffe. Vous avez assez de nourriture pour doubler les rations, voulez-vous manger? Soyons raisonnables. Vous êtes au top. On est bien, faut pas cramer tout au début. François agite dans sa main la bouteille contenant le message de l'épreuve du jour. Oh putain, elle est là, hein, la bouteille. C'est tellement une succession d'événements rapides. Tac, tac, tac. La voix guide toujours l'oreille attentive. Oh, peut-être... Mais non, ça c'est après quand faut se bander les yeux, là. Pourquoi je suis toujours à genoux, moi? On y va, là, en... Ah, y a pas de bruitage d'animation et tout. Hop, on y est. Putain, c'est incroyable. C'est fou.
L'épreuve d'immunité va bientôt commencer. Vous allez devoir vous battre pour espérer gagner le précieux totem. Quelqu'un les yeux bandés et guidé. Ouais, mais ça, généralement, c'est quand t'es deux. Julien Girardin, merci pour le prime. Ewen, 24 mois. Apidogo, 8 mois. L'épreuve d'immunité va bien... Et là, niveau relation, on est comment? Ah, je suis tendu avec François. Alors qu'en fait, je suis bien avec tout le monde. Ah, mais j'ai mis un vote sur Vincent. Je vais annuler mon vote et je vais le mettre sur François. Ah, mais il y a juste une... François, il est bien avec tout le monde aussi, hein, donc... Et François est ami avec tout le monde. Moi, je suis neutre avec Déborah et Marie. Faut faire attention à pas faire des bêtises, là. Ok. On va bientôt commencer, vous allez devoir vous battre pour espérer gagner le totem. De toute façon, si on gagne, on va pas au conseil. Donc on n'a pas à voter. Planifier une direction avec le stick. Gauche, putain, l'autre. Ah oui, pardon, je comprenais. Parce que j'ai lu un devant toi, bordel, en cam. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Non. J'avais pas capté la ref. Planifier une direction avec le stick gauche, pousser vers le haut. Fait avancer de quelques mètres votre coéquipier, alors pousser vers la gauche ou la droite, oriente dans une direction. C'est bien. Pousser vers le haut, faire avancer quelques mètres votre coéquipier. Ah ok, d'accord. Valider le parcours, annuler une direction. Oh là là, on va être terrible. Lorsque plusieurs directions sont planifiées, validez-les pour que le coéquipier commence à se déplacer. Vous devez planifier plusieurs fois son parcours pour récupérer les trois totems. Donc gauche, droite pour direction. Et haut à chaque fois. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais? C'est parti. Putain. Ah d'accord. Donc là, on doit aller où, là? On doit aller en haut, à gauche, à gauche, à gauche, en bas. Ah, mais je peux... Ah, mais en fait, parce qu'il va se tourner. Du coup, tac, puis gauche, gauche, gauche. Ensuite, gauche encore. Attends, j'ai combien de hauts, là? Un, deux... Ah, c'est trois hauts, genre? Là, je vais trois fois en haut, ici. Ensuite, je fais gauche, gauche, gauche. Ensuite, une fois qu'il est là, il va regarder là, donc il va à gauche. Si tu regardes là, donc tu vas à gauche aussi, puis gauche. Il va arriver là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah, tu vois, j'avais bon. Mais j'ai... Non! J'avais bon! Pourquoi il a pas tourné? J'aurais dû... La flèche, c'est pour avancer. Ah putain. J'avais pas compris. Oh, j'avais pas compris, putain. L'enfer. L'enfer. Là, il tourne à gauche. J'avance, j'avance, j'avance. Je tourne à gauche. J'avance, j'avance. Je pense que j'ai besoin que de deux flèches. Deux fois à gauche? Toujours pas. Gauche? Vas-y, je fais comme ça, nique sa mère. Putain, je savais que j'aurais dû... Pardon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a compris maintenant. Il me reste 1 minute 30. On va avoir le totem. Ok, on va avoir le totem. Non, 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 ça... Je vais me faire éliminer. Attends, parce que là, du coup, il est là, donc. C'est droite. Avance, avance, avance. Gauche. Gauche, avance. 45 secondes, on va même pas avoir un totem. Je suis désolé pour cette épreuve. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu... Putain, là c'était bien. Je peux en avoir un. Je peux en refaire un? Je peux peut-être en avoir deux maintenant. Mais il est où le deuxième totem? Oh putain, on avait compris. Oh, j'avais compris, hein.
En bas à droite. Ouais, mais y a un truc qui cache là. Je dois repasser par le milieu. Oh, je vais me faire virer. Épreuve terminée. Putain, j'en ai eu qu'un. Ils en ont eu combien en face? Oh, c'est difficile. Défaite. Ah bah, on sait pas, va savoir, ils en ont pas non plus, hein. C'était pas si simple ce jeu, hein. J'avoue que j'ai eu un peu de mal. J'ai pas été le plus. Moi, je veux bien lancer des trucs. Est-ce qu'on peut lancer des trucs? Vous accusez le coup. Vous perdez l'épreuve d'immunité et vous devrez vous rendre au conseil ce soir. La victoire vous a échappé, mais vous devez vite vous ressaisir pour la suite. De toute façon, c'est la faute à Vincent. Voilà, donc. Vous êtes heureux, le feu jaillit en fin de vos braises, mais vous vous demandez si c'est l'endroit adéquat pour un feu de camp. Moi, je suis indécis. C'est pas moi qui décide. Deux mecs moitié contents, deux mecs heureux. Putain, c'était mes alliés qui étaient... Loana a peur que l'arbre au-dessus de vous prenne feu. Vous devez allier l'utile à l'agréable et ne pensez pas que dormir trop près du feu le soir. Plusieurs tâches sont effectuées sur le camp. Oh, on n'est pas bien, parce que là, j'ai qui, là? Tout le monde me déteste. Tout le monde se déteste. Il faut que je retourne tout le monde contre François. François déteste tout le monde. Moi, au moins, je suis en alliance avec Loana. Faut tous voter pour François. On vote François. Ou alors... Eh, Vincent. On vote tous Vincent. On vote Vincent, j'ai déjà Loana. J'ai déjà Loana, Vincent. Ils nous emmerdent. Vincent, Loana. Moi, je vais aller voir Marie. On a besoin d'eau. On a besoin d'eau, je vais voir Deb. Je vais voir Déborah. Déborah, je vais la voir et direct, je propose une alliance. Salut, Deb. On vote Vincent. Vincent a mal parlé de toi. Comment on joue? Ils ont pas l'air réceptifs, les poissons. Ah non, mais on est là pour récupérer de l'eau, de toute façon. Vous regardez Déborah et commencez à discuter. Stratégie. Elle vous regarde et semble prête à discuter. Lui demander son intention de vote. Elle vous indique qu'elle compte voter contre Loana. Ah, faut pas. Continuez votre discussion. Ah bah, faut pas, hein. C'est pas ouf, hein. Non, non, c'est Vincent. Vincenzo. Je lui propose un vote ciblé. Moi, je lui propose pas Loana. Ah, mais ça, c'est embrouille de meuf. Elle refuse votre proposition. Faut continuer de discuter avec Déborah. Je continue à discuter stratégie. Je demande des infos. De toute façon, elle m'aime pas, donc... Si elle sait ce qui se trame sur le camp. Elle souhaite partager des infos avec moi. Loana n'a pas l'air très fiable. Putain, Loana essaye de me la faire en douce. Ah, Loana... Merde, du coup, elle me prête... Loana n'est pas très fiable. Loana va se retourner contre moi. J'ai dit François. Ouais, mais j'ai dit François parce que Vincent était allié avec moi. Maintenant que Vincent n'est plus allié avec moi... Moi, vous savez, j'ai pas de race, hein. Bon, on doit aller où, là? Qu'est-ce qu'on fout, là? On est en train de se baigner, on devait prendre à boire. C'est où, la source? Retourner au camp. Non, 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 on a déjà fait cette erreur une fois. Faut que je revienne avec quelque chose, là, c'est trop, sinon. Ah, c'est là. Ah, bah, parfait pour ramasser l'eau, hein. J'en ramène un autre, non? Oui, parfait, ça. Faut que je ramène beaucoup d'eau, donc... Oh, mais y a peut-être des... J'avoue qu'il y a peut-être des... Comment ça s'appelle? Il y a peut-être des colliers et tout. Faut peut-être que je cherche le collier, j'aurais dû chercher un collier. En vrai, j'ai ramené 3 d'eau, si on me tège. C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est en surbrillance, un peu. C'est où, en surbrillance? Pas de collier, là? Ah, mais non, mais c'est juste de l'eau, en fait. Bon, je ramène un quatrième. Je ramène 4 trucs d'eau. 4 trucs d'eau, frère. Normalement, c'est... Normalement, vraiment, j'ai un totem, hein. Ah ouais, là. Là, il y avait un caillou qui brillait. Oh. Tout le monde fait la gueule. Ah bah, ils nous emmerdent aussi, hein. François a rapporté du bois. Que seulement 2 bois, hein. Déborah, un seul. Moi, j'ai ramené 4, hein. C'est bientôt la fin de journée, la tribu se réunit autour du feu. Après l'avoir allumé, quoi de mieux que la préservation d'un feu? Il y a des risques que celui-ci s'éteigne pendant la nuit. Elle peut le veiller un peu durant la nuit. L'idée de ronde de nuit ne déplaît pas à François, qui précise qu'il pourra en profiter pour se dégourdir les jambes. Vincent est un peu réticent à veiller sur le feu, lui qui a le sommeil profond. Les gars, votez Vincent. Loana veut bien surveiller le foyer, mais uniquement si elle est la première à le surveiller. Elle se montre volontaire pour veiller le feu et accepte l'heure qu'on lui donnera. Je mets en place un système de roulement. Vous pensez que c'est pas la nécessaire, la météo est bonne? Bah, je mets en place un système de roulement. Il y en a une qui est contente, l'autre pas trop. Déborah accepte de se lever au milieu de la nuit. Oh! Vincent est un sanguin et n'acceptera pas d'être réveillé. Bah, il va se faire enculer, Vincent, hein. François rétorque, ça ne le dérange pas, c'est bon pour le corps. C'est pas une tâche si simple, mais avec les soins de toute la tribu, vous devrez réussir à le préserver. Eh, hey, votez Vincent, hein! Mais limite, on se le dit tous les yeux dans les yeux, là. Ah, j'ai la cheville.
Avant de partir pour le conseil de soir, vous pouvez discuter discrètement de stratégie avec quelques aventuriers. Oui. Et je vais voir... Je suis allé voir Marie ou... Je vais voir François. Attends, on en est où là? François, c'est un pote, hein. Et Marie aussi. Loana, je ne suis plus en alliance avec elle, apparemment. Marie, c'est la pierre... Faut que je fasse une alliance avec Marie. Parce que Marie, elle va me mettre avec tout le monde. Je vais voir Marie. Elle vient là. Vous vous éloignez du groupe avec Marie. Je propose une alliance. Direct. Pas 20 choix non plus. Hein. Elle accepte votre proposition, elle vous suivra sur les prochains conseils. Et je peux discuter stratégie avec un dernier aventurier. Oui. Et je discute avec François. Et on fait une alliance. Marie, François et moi. Et fuck Déborah, fuck Vincent. Et Loana aussi, tiens. Loana, elle était pas fiable. Hein. On a eu l'info. Loana, elle va falloir qu'elle fasse ses preuves. Faut qu'elle fasse ses preuves pour revenir. Long terme alliance. On fait une alliance à trois. On va au bout. Il accepte. Votre équipe et vous partez pour le conseil. Mais du coup, on n'a pas dit qui votait. Oh putain, le conseil de fou. Jamais de t-shirt. Hein. Eh, vrai alpha porte pas de t-shirt. Hein. Les deux là, il peut y avoir qu'un alpha à ce point là. Je pense que Vincent, faut qu'il parte. Faut qu'il parte. Le conseil débute, chaque aventurier donne son point de vue. Tous les aventuriers sont désormais prêts à voter. Ah. Je peux choisir mon vote ou... J'élimine Vincent, depuis le début. Hein. Certes, je l'avais dit à Loana, mais au moins depuis le début, on le savait. Hein. Tout le monde a voté. C'est le moment de sortir son collier d'immunité. Personne... Imagine Vincent, il sort un collier. C'est l'heure du dépouillement. Ethan, c'est moi ça. Ethan. Quoi? Vincent, oui! Comment ça, j'ai deux votes? Loana, oh non. Votez Vincent, bande de cons! Un deuxième vote, Vincent. Vincent, let's go, égalité! Pas d'Ethan. Allez. Vincent, t'es mort! C'est fini. Il y avait une alliance, hein. Et c'est Loana. Donc Loana s'est alliée à Vincent contre moi. Et Déborah, elle a voté Loana. Et Loana, je... Putain, mais Loana, je te déteste. Eh ben, tu vois, Loana, de pas avoir écouté Ethan. Je sais. 100% Déborah, elle a voté Loana. Les deux autres, ils m'ont suivi parce qu'on a une alliance. Et du coup, c'est Loana qui a... Oh, mais Loana, mais... Alors que devant Vincent, on l'avait fait. Hein. Allez, ciao, Vincent, là. Mais senti Ethan. Le conseiller... Pourquoi vous êtes pas contente? Vous avez mis son nom? Ah non, elles sont pas contentes, elles ont voté contre. Alors que moi, j'ai du mal à reconnaître mon allié. Très bien. Jour 3. On ne voit pas Denis, non, il n'y a pas le budget. La nuit s'est bien passée, mais rien d'extraordinaire. Le feu irradie le camp de sa chaleur. Le conseil d'hier fut un coup de poignard dans le dos pour Vincent. Persuadé de faire une alliance avec Loana! Celle-ci a apparemment retourné sa chemise. Vous dites à Loana que vous allez tout faire pour vous venger Vincent. Ou alors c'est moi, mon alliance, ils m'ont trahi. Et Loana, du coup, m'a été fidèle. Bon, je rigole de la situation. Elle rigole à son tour, ravie de trouver en vous un soutien et un allié. De loin. De loin. On en est où, là, niveau... Putain, tout le monde continue à me détester. Hein. Elle a des amis, putain. C'est fou d'avoir des amis. Déborah, c'est la prochaine. Hein. Déborah, c'est la prochaine qui saute. Hein. François n'a pas de lien avec Loana. Mais moi, je ne suis pas en inimitié. Hein. Ah, ensuite, t'as plus ou moins gros, quoi. Vincent, on sentait que c'était un lien big, quoi. Elle, après, c'est faible. Hein. Et Déborah Loana, il y a un gros dislike. Hein. Donc, je pense que Déborah a mis le blast de Loana. Je pense que j'ai la bonne strat. De toute façon, je suis allié avec plus de gens qui... Vous avez la possibilité de manger davantage ce matin grâce à votre stock de nourriture. Non, on se rationne. C'est au top de la forme. Marie a trouvé la bouteille annonçant l'épreuve du jour. L'eau est précieuse et ne doit pas être gaspillée. Ok, on y va. Allez, on y va. Petite foulée. Faut gagner les épreuves. Non mais là, faut gagner là. On n'a plus le choix. Nous, on a les conforts, mais on veut plus. L'épreuve de confort est sur le point de débuter. Si vous la remportez, vous gagnez un bonus pour améliorer votre survie. Remplissez votre seau automatiquement en vous dirigeant vers le point d'eau. Déplacez-vous sur le terrain pour remplir les tonneaux automatiquement en vous plaçant à proximité.
2. Soyez prudents dans vos déplacements s'ils sont... Oh là là, je vais être à chier, putain. Non mais attends, parce qu'en fait, les mini-jeux sont pas simples. Donc je remplis juste en me déplaçant. Left stick, left stick. Ouf. C'est déjà difficile. Déplacez-vous sur le terrain pour remplir les tonneaux automatiquement en vous plaçant à proximité. Tranquille. Donc, je remplis le seau en étant dans l'eau. J'avance, je vais là-bas, je dépose avec left stick. Soyez prudents dans vos déplacements. S'ils sont trop brutaux, vous trop... Ok, machin, on se comprend, je sais plus parler. Gardez un œil sur votre endurance. Courir vous en fait perdre. À court d'endurance, vous perdez davantage d'eau lors de vos déplacements. Oh, ça va être une purge. Ok. Allez, go, 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 go. Ok. Il est où le tonneau? Il est là-bas, le tonneau. Oh merde. J'ai touché un truc. Ok, très bien. Hop, on court, on court, on court, on court. De toute façon, tu peux pas courir, y a pas de RT, c'est juste, tu marches, quoi. On peut pas remplir un peu plus, là? Attends, ça sert à rien, là. Oh putain. Oh la dégaine du gars. Ah non, mais tu peux pas le re-remplir une fois qu'il est déjà rempli! Oh, mais quel jeu de merde. Oh, la caméra est à chier, en plus. Oh là là, bah je mets rien dedans. On a gagné? Non, j'ai rempli un tonneau. Il y a 3 tonneaux au total, ok. Ils sont où, les autres tonneaux? Ah, mais je peux avancer comme ça aussi. Je ne suis pas obligé d'être une brute, en fait. C'est fou, ça, parce qu'on n'a pas spécialement l'info dans la vie. Nous, on se dirait, bon, bah, vas-y. Oh, mais j'ai plus d'endurance, là. Non, mais après, c'est vraiment... Ah ouais, mais c'est très difficile. Bon, j'ai plus d'endurance, de toute façon. De toute façon, il reste plus grand-chose à mettre. Hein. Là, c'est bon, ça s'est rempli, ça. Il est où, le troisième tonneau? Putain, mais tu peux pas gérer la caméra, en fait. Tu peux rien gérer. L'expérience gaming est assez folle, quand même. Hein. Donc, celui-là, c'est rempli. Donc, le dernier, il doit être bien loin, là. Il est tout là-bas. Après, l'avantage, c'est quand même sur les épreuves de confort, je vais être un gros crack. Hein, donc, heureusement qu'ils m'ont quand même. Hein. Dire que Loana a voulu voter contre moi, il y a quand même des trucs qui parfois blessent un peu, quoi. Hop, hop. Oui, je suis assez à l'aise dans certaines épreuves. Hein, c'est aussi pour ça que je me suis permis de remplacer Vincent. Voilà. C'est gagné, c'est gagné. Épreuve terminée. Boum. Victoire. Quel jeu! Quel jeu! L'intensité de l'épreuve vous a fatigué. Ah, j'ai donné, hein. 5. Vous remportez un toit pour protéger le feu des intempéries. Tout le monde est content. Victoire éclatante. On revient sur le camp. L'ambiance est à la fête au sein de la tribu. On le sent. Vous parlez de la forme physique du groupe. On se sent bien. Vous déclarez que chacun d'entre vous s'est donné au maximum et c'est ce qui compte. Vous savez ce qu'il vous reste à faire afin de revenir encore plus fort sur la prochaine épreuve. La tribu vous remercie pour vos encouragements. Mais je suis Ethan, mec! Personne ne sera éliminé ce soir, c'est un vrai soulagement pour tout le monde. Vous prenez cette victoire comme un nouveau départ. Eh, hey, ils me kiffent tous, là. Ils me kiffent tous. Mais ils se kiffent tous, aussi. Je suis quand même pas mal, là. Là, honnêtement, j'ai mis bien tout le monde. Tout le monde est ami avec moi. Déborah, en fait, Déborah, personne la sac, quoi. Si, moi. Moi, je l'aime bien, mais bon, on peut la trahir à tout moment. Temps de s'occuper du camp. Qu'est-ce que je fais, là? Je m'allie avec qui, moi? En vrai, faut que je sois plus fort avec Marie. Marie, c'est quelqu'un de bien. Je vais pêcher des poissons, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qu'il faut faire déjà pour tout le monde? Chercher des noix de coco. Est-ce que je me prendrais pas... Je vais chercher des noix de coco, en fait, je vais chercher un collier pour plus tard. Parce que là, en fait, comme je vais perdre aucune épreuve, on pense déjà à la suite. On pense déjà au moment des colliers. On a besoin de colliers, nous. On s'en fout, je vais rien ramener. Il faut que ça brille, là. Il n'y a pas de moment où ça brille. Tout à l'heure, ça brillait dans les cailloux. Putain, là, c'est pas par là. Ça brille, là. Ça a brillé, non? Ça brille, là. Oh, putain, c'est de la merde. Mais c'est quoi, là? Je ramasse un... Ah, mais en fait, tu peux tout fouiller? Oh, le cauchemar. Oh, le cauchemar, tu peux fouiller absolument chaque caillou. Oh, le coach. Bon, je vais ramener deux, trois cocotiers, quand même. Enfin, noix de coco, plutôt. Ça va me tomber sur la tête. Médecin. Bon, ça ira. On n'a pas une deuxième qui est tombée, là? Il y a un truc, là. Putain, j'ai ramené
a du bois. Non mais il nous faut un... Mais là on peut pas prendre au sol, genre. Putain, ça brille sec à droite, mais ça brille partout en vrai. Voilà, il y a de la, y a de la grosse là. Où est-ce que ça brille là? Là ça brille. Ça brille. Go chercher un collier, Domi. C'est ce que je fais, gros. Hein. Si jamais je suis en recherche de collier là. On le dirait pas trop comme ça, mais je suis vraiment en situation de... Je fais un peu de noix de coco aussi, tu sais, histoire de quand même apporter au groupe. Ouais, tiens, vraiment un jeu Koh-Lanta. Ah bah, il y a un avant et un après le jeu, hein. Ça c'est clair que... Non mais là, il y a forcément, là déjà tu te fais pincer par le crabe. Et ensuite, je trouve le collier. J'ai ramené quoi, là? À bouffer? Pas bien sûr de quoi on ramène, là. Parfois, c'est un peu... Non, là, ils avaient pas le budget, là, pour aller plus loin dans 5 secondes. Putain. Là, une petite derrière fouille, là. Fouilleur. Oh là là. J'ai ramené trop de trucs. J'ai ramené trop de trucs, hein. Non, mais l'autre, il ramène une goutte d'eau. Oh non, mais on a pas le même investissement, hein. C'est un aventurier dont Loana estime que nous voulons... Je ne lève pas le petit doigt de la journée? Quoi? Je viens de ramener... Aïe, je viens de ramener 5 crabes. L'autre, elle a ramené une bûche. En ramenant des crabes, j'ai ramené des bûches. Oh non, mais ça, ça rend fou, hein. Et après, si tu t'énerves comme ça, t'es hystérique, donc faut se contrôler. Et là, il faut des alliés. Là, c'est... Là, il faut pas hésiter. Ah, je suis plus allié avec Marie, hein. L'alliance a été cassée, hein, je crois. Mais Loana, c'était mon allié de base, hein. Mais... Bah, je m'excuse, tu vois, comme ça... Toute la tribu apprécie que vous sachiez vous remettre en question. Toutefois, vous considérez en faire plus que certains sur le camp. Ne laissez pas des flâneurs vous faire croire que vous êtes inutile. Ah bah ouais, attends. Ah, t'inquiète pas, elle. T'inquiète même pas. Je vais aller retourner voir Marie, quand même. Il faut rechecker Marie. Vous avez très peu dormi. Cette nuit, une tempête a réveillé tous les naufragés et a endommagé considérablement votre campement. Malgré les efforts de certains, le vent et la pluie ont eu raison de vos installations et de votre feu. La tribu se rassemblera dans ce qui reste de votre feu. François fait le compte des dégâts sur un temps triste, ce qui agace Déborah. Déborah finit rapidement par accuser François de n'avoir rien fait pour protéger le feu cette nuit. Tout le monde déteste Déborah. Je défends François. Vous trouvez l'attitude de Déborah agressive et n'appréciez pas son entêtement. François semble soulagé que vous le protégiez. Déborah vous demande si vous n'avez pas contracté une alliance avec François. François dément ses accusations et trouve cela ridicule. Il propose de se concentrer sur les réparations. Loana vous donne raison et apaise les tensions. Mais Loana, elle sait pas ce qu'elle veut aussi. Un coup oui, un coup non. Ce qui est fait est fait, il faut avancer soudé. Mais elle en pense quoi, Marie? L'équipe prend alors un petit déjeuner léger dans une ambiance tendue. J'en suis où, moi, de mes relations? Moi, j'ai... C'est bon. Mais Loana, tu vois, c'est encore fort. Juste... Mais Loana, je suis sa meilleure relation, gros. Juste, elle me déteste un peu, mais... Oh, et Marie, elle est solo. Marie, elle a plus que moi. Du coup, moi, c'est bien. Je suis très fort avec François, un peu Loana, et Déborah, de toute façon... Non, mais c'est Loana qu'on détestait. Mais Loana, elle me crée du fight, et putain... Je la comprends pas, là, Loana. Est-ce qu'elle est dans une alliance cachée? Putain, on a plus d'eau, par contre, hein. Cuire les aliments. Mangeons pour gagner de l'énergie. On double les rations aujourd'hui. Comme ça, on prend de la force. Vous êtes au top de votre forme ce matin. On a besoin de ne pas se faire impacter, là. Vous appelez le reste de la tribu pour lire le message. Rien n'est impossible pour des cœurs battant à l'unisson. T'as entendu, Déborah, là? Bon. Allez, on y va. En route. L'épreuve d'immunité va bientôt commencer. Vous allez devoir vous battre pour espérer gagner le précieux totem. Et on y va, les gars, là, hein. François, il a l'air bien. François, je l'ai mal jugé au début. Mal jugé, le François. Propulsez votre radeau en ramant. En rythme, en appuyant au bon moment sur le bouton affiché à l'écran. Ok. Si vous perdez le rythme, vous allez ralentir laissant l'équipe adverse prendre le large. Gardez un œil sur votre endurance, vous en perdez lorsque vous pagayez et vous trompez de bouton. À court d'endurance, vous vous déplacerez beaucoup plus lentement. Faut pas de choc. Putain. Ils vont vite en face. Allez. Ouh ah, ouh ah, 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 ouh ah, ouh ah, ouh ouh ouh.
ou je laisse un peu plus? J'ai pas de X encore. Oh, j'ai... Pff, on les a fumés, gros. On les a fumés. Attendez. On les connaît pas en face. Hein. C'est vrai qu'on leur a jamais parlé. On sait pas qui y a en face. Oh, la réunification va être folle quand même. Petite voix serait mis bien. Vous êtes fatigué suite à l'épreuve. Vous remportez le totem d'immunité qui est tant convoité. Félicitations. Et personne dit que j'ai été chaud quand même. Gotaga qui offre 100 subs. Gotaga qui achète ici son collier d'immunité. Gota que je vais retrouver ce soir. Le coco. Ah, disons qu'il y a eu un petit historique au tournoi de poker qui était incroyable d'ailleurs chez Gota. Et ce soir, on se retrouve à 20h. Hein, poker avec Gota et des qualifiés. Sur une table à distance, chacun chez nous. Ça va être sympa aussi. Merci Coco en tout cas. Bon, alors Déborah manque de tact et de délicatesse. Mais de toute façon, je propose à ce qu'on empoisonne Déborah, moi. Ça ne serait pas choquant. Personne n'aime Déborah. Déborah est aimée par personne. Elle passe son temps à dire des blagues gênantes et à parler de nourriture. Et 10 subs encore plus offert. Mais que se passe-t-il? Pour le retard. Ah oui, très bon payeur, excuse-moi. Merci frérot. Merci beaucoup. Bon, bienvenue à tous. Hein. Non mais je pense que comme tout le monde la déteste, je lui parle mal. Vous en avez assez. Déborah rétorque dans ce cas que vous pouvez toujours essayer de remporter une épreuve de confort mais qu'elle n'arrêtera pas de se plaindre. La faim est un des facteurs de conflit. Il est temps de s'activer sur le camp. Est-ce que ça... J'ai plu avec mon discours? Ouais, j'ai renforcé les liens. Est-ce que j'irai pas voir Marie? On a besoin de faire... C'est vrai que Gotha est pas VIP, putain, pourquoi? On a besoin de faire une alliance à combien? Parce que là, on est déjà... Le truc, c'est que Loana... Si je fais une alliance à trop, c'est pas ouf, hein. Je pense qu'il nous faut de l'eau, surtout. On est en train de mourir de soif. Et c'est avec Loana. Ça peut nous renforcer un peu avec Lolo. Je vais voir Loana. Fallait surtout pas aller voir Déborah, quoi. Ah, Loana, on sent que... Loana, j'ai besoin de... raffermir un peu nos relations, là. Et peut-être chercher un collier aussi, hein. Oh oui. Allez, un collier. Imagine, c'est maintenant. Imagine. Oh ! C'est un crabe. C'est pas si mal quand même, mais bon. De base, c'est de l'eau, nous. Pourquoi c'est si lent, là ? Je suis stun. Putain, le collier... Après, du coup, je ramène un peu tout. Là-bas, ça brille fort. Mais elle est dans le coin, Loana, ou... Parce qu'il faut que je lui parle aussi, hein. Zobat qui offre un subac, Gotha. La cam a l'air horrible. C'est... C'est pas simple là. Bon, faut que je ramène un peu d'eau parce qu'on est en train de die là. Je peux pas le refaire au même endroit, putain. Elle est où Lolo là? Vous avez vraiment besoin d'eau, père. Charbonne, hein. Là, mon ref, je te cache pas que je donne que ça, quoi. Léandre, merci pour leur sub aussi. Là, on est quand même dans un investissement quasi maximal de mon côté, hein. 4, c'est pas mal, hein, on est combien? Au pire, Déborah va pas boire. Déborah va pas boire, c'est tout. On va lui enlever. Là, il y a un collier, je le sens. C'est beaucoup plus dur que d'habitude. C'est beaucoup plus long. C'est un collier. Putain, c'est une vieille branche de merde. Elle est où, Loana? Que je lui parle, j'en profite au moins. T'es où, Sorette? On peut pas tourner la cam, putain. Elle est là. Oh, bah, elle branle rien, putain. Ok. On discute stratégie. Elle veut bien discuter avec vous. Obtenir des informations sur les autres aventuriers. Demandez à Loana ce qu'elle sait, ce qui se trame sur le camp. Elle souhaite partager des infos. François va probablement voter contre Marie. Déborah va probablement voter contre vous. Marie va probablement voter contre vous. Quoi? Viens, on vote contre... Quoi? Marie s'est alliée à Déborah? Mais on est où? Elle se déteste. Mais c'est quoi cette vie là? C'est une alliance de meufs? Ok, bah je lui propose un vote ciblé. Elle accepte et vous demande contre qui? Eh bien contre Marie. Contre Marie. Ça veut jouer au con avec moi! Ça veut jouer au con avec moi! Non, y'a plus rien à se dire. On s'est déjà parlé, putain. Oh, c'est l'enfer du jeu. Elle me redit la même chose. Quoi? Mais j'ai redemandé la même action? Ça me dit que Loana, maintenant, François va voter contre Loana, Déborah va voter contre François, Marie... Mais elle est tarée, la meuf! Bon, Marie, elle revote contre moi. Elle est en train de me brain, Loana, en fait. Sauf que comme je lui ai demandé deux fois, elle est eue. Putain, elle est peut-être eue, hein.
Elle est peut-être en train de mentir, mais c'est vrai qu'elle s'est cramée du coup. Elle avait pas imaginé. Elle a pas tenu le double mensonge. Elle a tenu le fait de genre demander une fois, mais deux fois elle était pas prête. Non mais Loana, elle est pas fiable. Elle a ramené qu'un seul truc d'eau. Il y a des gens qui ont peut-être un collier. Alors vous êtes en train de dormir sous la cabane, vous sentez des gouttes qui tombent sur votre visage. Vous prévoyez de mieux tresser les feuilles afin que l'eau ne... Non, faut pas râler. Moi, je tresse, moi. L'ensemble de la tribu vous suit sur ce point en espérant que le toit ne se dégrade pas pendant la nuit. Vous ne pensez pas que ça change quelque chose d'attendre le lendemain matin, mais en attendant, vous devez affronter la pluie avec une cabane qui tombe en ruine. Le toit d'une cabane est très important pour le confort de la nuit. Putain. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Après, on perd pas pour l'instant. Le plus important, c'est qu'on perde pas. Tant qu'on perd pas, c'est en face. Et après, il y aura la réunification. Et la petite Marie. Elle peut jouer contre nous, la petite Marie. C'est comme la petite Loana. Mais attention, parce qu'on est déjà deux avec François. Putain, mais je me suis niqué la cheville, mais comment là? C'est quand même très con. Sur une chaise. Malakian, merci. Possible, vous, le manque de froid se fait sentir. On a perdu 10? Pressentez un éventuel complot contre vous. J'insinue que Déborah est dans le coup. J'insulte Déborah même. Elle vous répond violemment que cela peut vous desservir de vous faire passer pour une victime. Malgré tout, vous soupçonnez de voir votre nom apparaître au conseil. Essayez d'avoir le cœur net avant de prendre des décisions. Mais frère, je suis le boss de la tribu, je ramène tout. J'ai des alliances avec tout le monde. Et ils veulent me tège, mais on te tège à la fin quand t'es fort. Pas quand tu gagnes. Tout le monde mange à sa faim, y a plus rien à bouffer. Vous avez découvert au bord de l'eau le message de l'épreuve du jour. Oh, faut gagner là, hein. La vigilance de l'équipe vous accordera une victoire aquatique. Putain, Déborah, c'est pas nager en plus! Elle va se noyer! On le sent! On le sait, là! L'épreuve de confort est sur le point de débuter. Si vous la remportez, vous gagnez un petit moment de détente. On a besoin de ça aussi, hein. Non, mais c'est une épreuve de confort, là. Pardon. Pff, j'ai cru que c'était... J'ai une pression en tant qu'aventurier, là. Je vous raconte pas, moi. J'aurais bien besoin d'un petit moment pour décompresser, là. Dirigez votre ado avec les boutons indiqués. Alors, X, c'est gauche. P, c'est droite. Ok. Lorsque le détecteur se met à vibrer, appuie sur le bouton action pour lancer un poids et toucher la cible. Ok. Gardez un œil sur votre endurance. À court d'endurance, vous déplacez beaucoup plus lentement. Oh, ça va être terrible. On doit aller où? Oh putain, j'ai cru qu'on était l'autre équipe! Oh, j'avais pas du tout compris! Oh, mais c'est pas du tout instinctif! Oh là là! Mais en fait, faut faire les deux d'un coup. C'est à chier. Honnêtement, c'est à chier, hein. Je suis pas là pour... Ça vibre quand? Je dois faire des tours? C'est de la pure merde. J'ai un point. C'est de la... Oh là là là, y'en a un! Ça a pingé là. Deux. C'est tout simplement de la pure merde. Hein. En face, y'en a un aussi là. Non mais qu'on se méprenne pas quoi. Hein. C'est de la pure chiasse le jeu. Hein. Là y'en avait un là, ça vibrait. On a gagné. Ah, oh, c'est insane. Non, là, c'est... Non, là, je dois avouer que c'est assez fou, là, ce qui s'est passé. On a tout de suite repéré, quoi. Ah, ça nous a fatigués, tu m'étonnes. C'est... Hey! Vous remportez un bon massage, plus 15. Superbe épreuve que vous remportez avec succès. Putain, mais il y a des complots, là. Marie, elle re-kiffe tout le monde. Loana, on se kiffe tous, sauf Déborah. Moi, je pense que Loana, elle essaie de me faire à l'envers, là. Putain, je ne sais plus qui croire, là. J'aurais jamais dû... Malgré la victoire, l'épreuve n'a pas été simple pour tout le monde. Félicitez Déborah pour sa performance. Vous parlez avec Marie que vous estimez plus faible. Oh, bah, du lard ou du cochon, là. Parce que Marie, on l'aime bien. Je vais pas taper dans quelqu'un. Je vais féliciter Déborah. Elle frime en disant qu'elle ne s'est même pas donnée à 100%. C'est une sale conne, hein. Voilà, faut aussi le dire. Il y a un moment où Déborah ne cherche pas à durer dans ce jeu. Voilà. C'est vraiment...
Déborah, elle veut juste que tout le monde la déteste. Il y en a toujours un à Koh-Lanta qui est comme ça, on n'en peut plus, quoi. Faut pas crier victoire, vous avez gagné cette épreuve, gagnerez-vous les prochaines. Faut maintenant s'occuper du camp. Bon, je vais avec qui? Je vais aller avec Marie, là. Non, je vais demander à mon gars, là. Ah, je vais demander à mon gars. Je vais aller avec François. François, il se passe quoi, là? Moi, je veux des infos parce que c'est mon gars sûr. Et lui, il votera pas contre moi. Occupe-toi du camp. Non, non, rien à foutre. Ah, mais c'est vrai qu'il y a de la pluie qui nous tombe sur la gueule. Oh, j'ai failli retourner au camp, Miss Click, ça fait terrible. On n'a jamais d'eau, en fait, donc... Je suis un peu obligé de faire ça, quoi. Les gars, je le fais pas pour moi, hein. C'est pour l'équipe. Hein. En fait, si on n'a pas d'eau... On va vous apprendre la vie, quoi, mais... Si on vous captez, quoi. Faut refaire du feu et faire le toit. Bah, l'autre, t'es masqué fou, l'autre. Je suis avec des hippies, là. Bon, François, on parle strat, là. Il est prêt à discuter. T'as des infos ou pas, François? Vous dites clairement qu'il... François, tu es mon plus gros allié. Pourquoi tu veux pas partager d'infos avec moi, François? Faut continuer vos discussions. Je lui redemande. Je lui redemande. Vous demandez à François. Il souhaite toujours pas. Je lui redemande. Il souhaite toujours pas. Putain, ça a pas marché là, c'est pas comme Loana. Non mais c'est terrible. Parce que le jeu pourrait ne pas étouffer, mais ils auraient pu mettre quand même une certaine logique, quoi. Dans le fait que le mec, s'il est un peu avec toi... surtout quand tu gagnes. Quand tu perds, c'est autre chose. Quand tu gagnes, Koh-Lanta, t'es en mode, bon... Ils ont tous fait une alliance avec moi, enfin contre moi, quoi. En même temps, je comprends que le mec qui a en permanence torse-poil, qui est en... T'as ramené quoi, un bout de bois? J'en ai ramené 38, moi! Non, parce que le côté histoire, c'est important dans ces jeux, tu vois. Les mécaniques pourraient être nazes, si au moins t'as un peu un truc sympa, ça peut... Merci Yogizi, c'est gentil. Vas-y, Nick, je me tue pour des gens qui vont voter contre moi. Ça me... François, il a ramené une goutte. Bon, Déborah, par contre, gros taf. Loana aussi. Et Marie, vous savez pas quoi faire avec ces larves trouvées dans l'écorce. Vous voulez tester les autres candidats? Moi, je les teste. Vous essayez de sonder les liens autour d'une dégustation surprise. Attends, mais c'est qui à gauche, là-bas, là? C'est Loana, hein. Loana, de toute façon, c'est ma sauce. De toute façon, tout le monde s'entend avec tout le monde, sauf Déborah. Pourquoi il y a un débat, là? Juste, on vote Déborah et c'est fini. Vidale, merci. Il y a, genre, tous, on déteste quelqu'un, mais on va pas voter contre elle. On est réveillé. En multi, ça aurait pu être cool. Bah, quand tu vois comment en solo, c'est mal géré. Certains jours peuvent être plus difficiles que d'autres, mais pas à cause de la dureté de l'aventure, non. Ce matin, Marie a décidé de chanter de pousser la chansonnette. Déborah rigole en entendant les paroles et la voix particulière. François ne supporte pas cette nuisance constante dans ses oreilles. Ce sont tous des giga-connards, quand même. Hein. Loana est clairement désabusée par le côté traîné de la chanson. Marie pense qu'il faut laisser s'exprimer l'art et chante de plus... Oh là là. Marie a perdu des points. Hein. C'est bête, quand même, de perdre des points en chantant. Moi, je propose d'en rire de base, mais... Sa voix vous agace, il faut que ça cesse et vite. Ouais, c'est bon, on fume Marie, hein. Ça m'agace. Vous êtes sur les nerfs, Marie va devoir interrompre son concert. Ils ont pas kiffé. Marie ne comprend pas votre réaction, ces chansons écrites de sa main sont si belles. Loana souffle de soulagement, c'était un ennui et désagréable. Chacun est libre de s'exprimer, mais il ne faut pas pour autant user de la patience des autres aventuriers. J'ai perdu des points. Bon, juste Marie me déteste, quoi. C'était pas ouf, hein. J'aurais dû être en... En même temps, je vais voter Marie. Je vais voter Marie. C'est décidé. Ok. Après l'avoir trouvé, Déborah... Alors, nouveau message. Épreuve d'immunité, celle-là. Regardez vers le ciel, mais attention où vous posez les pieds.
T'avais demandé à une meuf de voter Marie. Ouais, ouais, Loana. Comme ça, on va voir si c'est une traître ou pas. L'épreuve d'humilité va bientôt commencer. Vous allez devoir vous battre pour espérer gagner le précieux totem. Les balles sont envoyées dans les airs par les autres aventuriers. Ah, ok, je dois les récupérer. Je me déplace avec ça. Vous pouvez percuter votre adversaire pour essayer d'attraper la balle avant lui. Oh, ça peut jouer physique. Gardez un œil sur votre endurance. À court d'endurance, vous dépassez. Ok, je peux mettre un petit coup de A. On est deux à jouer. Ok, allez les gars. Je n'y arrive pas. Je suis un tocard. Je l'ai volé. Putain, mais c'est de la merde. On comprend pas comment c'est fait. Putain, on a perdu. On a perdu. Parce qu'en fait, ton truc, il est orienté. J'avais, faut être sur la croix. J'étais pas sur la croix, putain. J'étais juste dans le cercle, moi. C'est très mal joué, quand même. C'est très mal joué de mon côté. En même temps, pourquoi m'envoyer sur celle-là? Vous avez échoué aujourd'hui, vous devez réfléchir à votre défaite. Oh putain. Fallait les pousser, mais j'ai mis des coups de A. Mais en fait, ça arrivait trop vite. Vous avez peut-être perdu, et bien que ce soit clairement la faute de François, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Vous souhaitez prendre la parole pour remotiver l'équipe. Oh! Vous ne voulez pas vous morfondre dans la défaite et rappeler que l'aventure n'est pas encore finie. Vous rappelez que chacun a des points faibles et des points forts. Ce n'était pas votre jour, c'est tout. Loana, on est 3 contre 2 là. En vrai, on est 3 contre 2, hein. Chacun a des points faibles et des... C'était pas notre jour. François reconnaît ses erreurs, mais précise qu'elle saura se racheter. Ah, ils ont pas conjugué tout. Aïe, aïe, aïe. Qui n'a jamais fait d'erreur? Ça pourrait arriver à tout le monde. Moi, j'ai voulu rassurer mes gars dans l'Alliance, tu vois. Non, mais François, faut... Putain, faut que j'aille à l'eau, hein. Non, mais je vais voir Loana. Je vais voir Loana. On doit aller à l'eau, on peut plus boire. Mais Loana, faut que je lui dise. De toute façon, on vote... On vote contre Marie. Loana, ramène-toi. Lolo. Bon, on parle strat. Elle veut bien discuter avec moi. Je lui propose un vote. Elle accepte. Bon, elle l'avait déjà, mais c'est Marie. Hein. Mais je suis pas sûr que... Je lui ai déjà fait en plus. Hein. Je lui ai déjà fait, elle l'avait déjà, donc... Je souhaite partager des infos. François va voter contre Marie, Déborah contre Marie, Marie contre François. Mais parfait! Bah on est parfait. Je lui demande qu'une fois, comme ça on aura moins de pression. Ok, super. Non mais là c'est bon, on est bon maintenant. Maintenant on sait que c'est tout pour nous là. Là c'est bon maintenant. Faut continuer de discuter. Non non, bah, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait là. Putain, mais je vais encore en ramener 10. Faut pas faire une Aurélien pour autant, tu vois. Faut trouver le juste milieu. Eh hey, mais là, il y a bientôt la réunification, non? Non mais je pense que c'est codé pour qu'on perde juste avant. Pour justement avoir des tribus qui sont à peu près équitables et tout, quoi. Je pense pas que c'est moi vraiment qui ai perdu. Je pense, quoi. Pourquoi pas, sinon je cherche un collier, frère, je fais que ça. Je me tape des bananes mortes, là. Du coup, je ramène de l'eau. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas... Toi, ça ne marche pas, ça. Ça, on a compris. Bob, papa et 74 mois. J'ai quoi, là? Je récupère un truc, hein. Je l'ai déjà récupéré. On comprend pas quand on récupère. C'est l'algo. Pas moi. Tu m'as collé, on t'a dominé la saison en cours. Non, du coup... En vrai, le mardi, alors bon, j'ai pas reforcé, mais no joke, du coup, bah comme moi j'ai popcorn, et avec ma meuf, on a perdu du coup le truc, je sais pas. Avant, on matait tous les vendredis soirs, et à un moment, j'ai commencé en replay, puis j'ai lâché. Donc,
Ok, Loana a rapporté de l'eau. On est pas mal, on a quand même 8 d'eau là. De longs t-shirts du sol, ça vous rappelle quelque chose, c'est du manioc. Vous jouez la carte de l'aventurier transparent et généreux. Bon, on examine, on fait l'état. Loana veut tout de même y goûter malgré votre avertissement. Jamais vous n'auriez espéré en trouver. Petit manioc. Et on part pour le conseil. Souhaitez-vous le faire? Ouais, je vais parler à des aventuriers, je vais parler à François. François, j'aimerais bien que tu me parles quand même, on est censé être alliés. Alors François, tu veux me parler ou pas? Vous dites clairement qu'il souhaite pas partager... Mais François, tu es un gros con! François, tu es con, putain! Il est infernal, le François! Ah, François, frère, c'est un teubé! On est alliés, gros! Au moins, on se parle! Il veut pas me parler, le mec. Il veut pas me parler. Il m'emmerde. Putain, il va dire non, du coup. Je vais voir Déborah. Vas-y, Déborah, elle va peut-être voter Marie. Je propose une alliance. Hein. Je propose une contre-alliance. Anthony, merci. Ah non, mais c'est infernal! Bon, Déborah, t'as des infos, Deb? Souhaite partager des infos. Loana, pas fiable. C'est tout? Parce que ça, tu me l'as déjà dit, à la limite. Hein. Je pensais qu'on allait pouvoir peut-être... Putain, on va sortir. J'ai pas de collier, on va sortir. Je vote Marie, moi, mais... Je me suis fait trahir, les gars. Je vote Marie, mais je me suis fait trahir. Ah, Ethan va sortir 4 fois, là. Ils sont tous alliés contre moi. Personne ne joue de collier. Premier vote. Ethan. Deuxième vote. Loana. Putain. Troisième vote. François. Qu'est-ce qui se passe? Marie. Celui qui prend un deuxième vote, c'est perdu. Ouais. Let's go! Let's go, l'alliance, Lolo! Loana, depuis le début, on a toujours cru en toi, Loana. Depuis le début. Mais qui s'est retourné contre moi, du coup? C'est Déborah? Oh, est-ce que c'est Déborah? Est-ce que c'est François qui s'est retourné contre moi au point de voter contre moi? Mais juste voter contre moi. Il est pote avec qui, François? Il était pas pote avec Déborah. Oh, Marie a pu mettre mon blaze, tu vois. Peut-être Marie qui a mis mon blaze. On survit. François a pas compris, il a voté pour lui. François, en fait, t'es juste en dépression de ouf, là, il en peut plus. Sa famille lui manque, il essaie juste de se faire tège, mais... Vous souhaitez vous procurer de la viande. Vous obtenez une arme à mi-distance. Ouais, mi-distance. Une lance avec un bâton taillé en pointe. Les armes ont toujours été une valeur sûre. Je vais devoir y aller, là? Oh, une partie de la bouffe est avariée. On n'a plus rien. Pas de petit déjeuner ce matin. On sent le poids de l'aventure. Tapioca, merci beaucoup. Faut faire le feu, mais on mange plus. Oh là là, le confort, ça ferait plaisir. On n'a pas le choix, là. La solidité sépare les frégates des épaves. On va devoir faire un radeau. Le feu. Ouais, mais on mange pas. À partir du moment où on mange pas, Bon, merci beaucoup. Vas-y, on connaît. Oh lolo. Alors. Assemblez rapidement les différentes parties de votre radeau en appuyant dans le bon ordre sur les boutons affichés. Ah, ça c'est pour moi. Si vous trompez de bouton, vous perdez un peu de temps. Gardez un œil sur votre endurance. Bon, vous avez d'endurance, on connaît. Allez, ça part, ils sont plus que 4 en face, c'est pour nous. Ils sont meilleurs que nous en face. Putain, ça va plus vite que moi. Attends, je bombarde. Je peux pas aller plus vite quasiment. Ils ont gagné? Mais c'est des bots! Mais comment ça? Je ne peux pas aller plus vite. Genre là, c'est... Attendez, j'ai tout donné. Vraiment, j'ai tout donné. J'avoue que c'est des moments où je réfléchissais un peu. Genre, A, B, c'est où déjà? Mais très rapidement, tu vois. Ah oh, bah celui-là, il est fou comme jeu. L'épreuve... Ah oh, putain, il remporte le kit de pêche. Putain, je vais devoir aller me taper contre des sangliers pour amener à bouffer. Y a plus le choix. Le tête-à-tête face à l'ours. Déborah se moque des membres de l'autre équipe. François accepte calmement la défaite. Loana ravale sa fierté mais ne peut s'empêcher de serrer les poings. Ah, le potentiel de la tribu. Les gars, vous êtes forts.
Déborah apaise directement les tensions et quelques piques amusantes à l'encontre de vos adversaires. On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. N'en faites pas une habitude non plus. Oh, Sun Tzu. Monsieur. Ok, les tâches, on fait quoi, là? On n'a plus rien à bouffer, les gars. Poisson. Ah, mais poisson, j'en peux plus de François. François, j'ai juré. Faut pas que je me repose. Est-ce que j'améliore le camp? Peut-être améliorer le camp, du coup. Parce que l'eau, on a déjà. D'or. Non, d'or, ça va être terrible si je dors. J'améliore le camp, on va voir. Mais je pense que la bouffe, ça va être terrible. L'autre, il va ramener un demi-poisson. On va se faire insulter, hein. Qu'est-ce que je fais si j'améliore le camp, en fait? Bon, j'ai chopé à bouffer, du coup. C'est pas trop ce qu'on fait, quoi. On est là, on n'est pas trop là, on sait pas. Qu'est-ce qu'on branle, en fait? Refais le feu. Je t'adore, PA, mais le jeu est trop éclaté, je tiens plus. Bah, ça qui est marrant. Vous pouvez allumer un feu pour faciliter votre quotidien. Ça coûte 20 de bois. Oh. Mais j'ai pas 20 de bois. Du coup, je fais ça pour rien? Je fais ça juste sur les pierres? Genre, j'invoque... Coup moins 7. Oh. Ouais, on peut faire quoi d'autre? Améliorer le stockage. Coup moins 5. Ah, mais c'est d'énergie, pardon. Les autres aventuriers collent plus de ressources. Ah, mais faut commencer par ça. Mais là, je vais être cramé après, hein. Bon, j'ai tout fait pour l'équipe. Mais avant la réunification, c'est peut-être pas mal. Tu sais, c'est bien de tout donner pour le camp au moment où on va plus s'en servir juste après. Le con. Vraiment l'abruti. Y'a pas plus con. Le mec s'est cramé. Tu as 15 de bois et ça te coûte 5. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'on avait pas beaucoup, nous. Est-ce que je peux pas chercher un petit collier en 2-2, là? Genre là. En plus, on est bien, là. Ah oui, un peu de bouffe. Hop, je suis bugué dans le jeu. Tout au fond, peut-être une recherche ici, là. Forcément, il y a un truc à chercher, là. Et y a rien. Et c'est là où le jeu nous surprend. On n'est pas non plus... J'ai amélioré le camp. Ouais, tu vois, j'ai cramé des ressources perso. François, il a ramené 5 poissons. GG, François. Déborah, 2. Et Déborah, 2 de bois. Mais c'est vrai qu'on avait bien 15, oui, c'est ça. Avant de finir complètement cette journée, tout le monde se retrouve pour discuter. Vous ressentez une forte sensation de chaleur sur votre nuque. Ouh. François, qu'est-ce que tu me fais? Tentez de vous regarder dans le reflet de l'eau afin de savoir ce que c'est. Vous demandez si c'est un coup de soleil. Vous montrez votre nuque aux autres aventuriers, malheureusement certains aventuriers aiment la rigolade. Déborah s'amuse à vous taper dans le cou. Balayette. Bah balayette. Bah non, balayette très rapide, mais vraiment pensez à vous protéger des rayons de soleil, ils peuvent être nocifs. Oh la meuf, elle te met une claque sur ton coup de soleil. T'es brûlé, il y a 40 degrés. Vous alimentez les braises et elles reprennent de plus. Mais on a beaucoup de bois. Là, on est bien reparti. Hein. J'ai plus d'énergie, par contre. Vous découvrez un fruit comestible. Je garde ça pour moi. Bizarrement, personne ne le remarque. Et boum, vous estimez chanceux, peut-être partagerez-vous cette nouvelle avec un futur allié. Mais comment ça? Je décide de garder le truc pour moi. Du coup, ça améliore de 4 les trucs du groupe. Ça me fait pas des choses en mieux pour moi, juste perso. Enfin, genre, c'était l'intérêt de garder pour moi, c'est-à-dire de manger et d'augmenter ma forme. Pas de les mettre dans l'inventaire du groupe. Donc là, concrètement, j'ai juste rajouté des trucs en plus dans l'inventaire global en mode, tenez les gars, mais je le dis pas que c'est moi qui ai ramené ça, quoi. Le con. Il est un peu plus facile de cuisiner grâce aux améliorations. Vous sentez le poids de l'aventure sur vos épaules et votre morale. Oh, la bouteille. Putain, tempête. Tempête en extérieur. La voix guide toujours l'oreille attentive. Non, me dis pas que c'est la même épreuve que tout à l'heure. J'ai été cauchemardesque. Non, j'ai été cauchemardesque. Oh putain. J'ai une épreuve d'immunité là-dessus. Oh, j'avais pas bien capté. Le parcours. On est d'accord qu'après un changement de direction, faut toujours avancer, quoi.
je me tourne deux fois. Ah non, parce qu'en fait, je peux... Putain, je sais pas, j'ai fait un truc au pif, là. Au pif, au pif. Bah non, j'avais dit que je me tournais. Mais quel jeu de merde, putain! Quel jeu à chier, c'est fou! Ah, parce que j'ai avancé dans le mur, du coup, ça te reset? Ah, donc là, ça me reset. Ah non. Non, c'est légendaire, là, ce que je viens de faire. Ok, très bien. Là, tu peux pas... Là, j'avance, je peux rien faire, là, par exemple, tu vois. Là, t'as un moment de creux, on sait pas ce qui se passe. Là, 1 pour avancer, ça ira. Mais comment, en vrai, en 3 minutes 30, c'est impossible. Oh merde, je me suis trompé. Le con. Attends. Tac, 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 tac. Oh, je me suis planté. Si, quoi qu'il arrive, là, on veut se retourner. L'inverse. Oh, j'ai loupé le virage. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi naze. Non, non, B. Oh, c'est terrible. Non, là, je reconnais que... Je reconnais que c'est dur, là, quand même. Moudraka, bienvenue. Non, mais c'est perdu. Non, mais... Même si le truc, je le fais parfaitement, c'est vraiment trop dur, y a un souci. Honnêtement, il y a vraiment un souci sur le jeu. Et ensuite, je dois arriver genre là. Ah non, il y a des différents totems. En fait, c'est juste que... C'est tellement lent entre chaque coup. Et là, j'ai quasiment plus de stamina, quoi. Secondes. Oh! Pardon. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, non, là, je... Pardon, pardon, il y a eu, ouais, méprise. Parfait. C'est gagné! C'est gagné! Non, ça va être gagné, là. Là, ça, c'est gagné, ça. Ça, c'est pour nous, ça. Ça, c'est pour nous, ça. En 3-12. En 3-12. En 3-12, c'est gagné. Oh là là, on a appris de nos erreurs. Faut déposer les totems. On est encore heureux. On est encore heureux parce qu'on s'en sort pas, sinon. Vous pouvez rentrer sur le camp. Bon, bah, let's go, ça. Là, on se régale. Grâce à une parfaite cohésion d'équipe, il faut souligner. Hop, GG tout le monde. Exploit d'équipe, tout le monde se congratule, vous avez bien fait de prendre les devants, ça vous a permis de remporter le louange de la tribu, il est temps de s'occuper du camp. Bah en vrai je vais faire la même, ou je vais améliorer, est-ce que j'améliore ou est-ce que j'améliore le camp, sinon je me repose. Vas-y je me repose, allez, je me repose, je suis mort là. J'ai gagné 15 en se reposant. Ah mais ils vont dire que j'ai rien branlé non. Ah non j'ai pu me... C'est la fin de la journée tout... Votre récolte est à peine terminée, de violentes rafales et d'épaisses gouttes s'abattent sur votre camp. La tempête qui arrive s'annonce plus violente encore que la première. Mais ils vont pas kiffer que j'ai dormi. Loana, on a des liens assez faibles. De toute façon, mon gars sûr, c'est François et il me déteste. Donc bon, c'est un peu chelou, quoi. Loana semble paniquer et se tourne vers l'équipe pour un éventuel plan d'action. Déborah insiste fortement sur la protection du feu. François, lui, semble privilégier la protection de la structure du camp. Oh, mais François... Peu importe, vous suivrez. Ah vas-y, je suis juste un suiveur là. Vous ne prenez pas de décision, ce qui agace le groupe. Eh, vous cassez les couilles. Hein. Après, les mecs qui prennent que des décisions, ça dit que c'est des gars qui... Ils en peuvent plus, ils ont pris le melon, c'est un petit chef, ils me parlent comme une grosse merde. Tu prends pas de décision, t'es considéré comme une grosse merde. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible.
Ah bah on a tout perdu. Vous aidez un peu pour protéger le feu, puis tentez d'apporter votre aide pour créer un toit. Ah bah on a tout perdu. Votre feu ne subsiste qu'avec des braises et votre toit bancal ne protège qu'une petite partie du camp. L'équipe entière semble tendue, mais tout n'est pas perdu. Ah, j'ai perdu définitivement la relation Loana. Tout le monde me déteste là-dessus. Partagez les noix de coco de Loana dans une ambiance apaisée. Est-ce que Déborah a pris des potes, genre ? Déborah, tout le monde la déteste. Moi, j'ai un peu François qui m'aime bien. Là, c'est... Vous aviez gagné un toit. Je sais pas, il s'est cassé, je crois. Châteauneuf, merci. Trois de repos. Oh, c'est la réunification ! Oh bah j'ai bien fait de me reposer la veille. Hein. Ah, niquez-vous les rouges. Hein. Difficile de faire des réserves sur une... Bon, on a tout qui est pourri de toute façon. Tout est pourri. On a fait que gagner les trucs, tout est pourri. La tribu doit maintenant désigner son ambassadeur. Les aventuriers aimeraient que ce soit vous. Bon bah j'y vais. Hein. Oh bah j'y vais, c'est moi qui choisis en plus. On est d'accord avec les ambassadeurs, tu choisis qui t'élimine. Oh, pour présenter la tribu rouge au conseil des ambassadeurs. Oh mais moi j'élimine quelqu'un mais sans souci gros. Y a pas, on va, mais je vous assure qu'on va pas à la boule noire. Hein. À moi mais Déborah, c'est direct. Hein. Oh y a pas de, le mec je lui propose d'entrée de jeu. Hein. Salut Fred. Eh ben Valentino vous fait face. Il commence la négociation. Valentino vous propose Loana. Et c'est à dire qu'il y a pas de choix sur. Ah, Loana, elle casse les couilles. Allez, j'accepte. Allez, nique ta mère. Pardon. Allez, ciao. On négocie même pas. Allez, salut. Allez, ciao, ciao. Allez, on y va. On rentre sur le camp. Je vais leur dire, putain, c'était l'enfer. C'était l'enfer. J'ai négocié pendant 3 heures. J'aurais dû lui proposer un truc, genre en mode d'être copain avec eux au moins. Ah, mais là, je vais me faire embrouiller du coup. Oh, mais Loana. Ah, mais là, du coup, ils vont me détester. C'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié ça. Ah non, ça va, elle a pas fait son speech. Normalement, ils font toujours un speech. Eh ben, en fait, Ethan, depuis le début, il était contre toi, François, et... Ah ouais, non, mais c'est toujours ça, quoi. Bon, bah là, c'est parfait. Les épreuves sont maintenant individuelles. Let's go ! Assis autour du feu, Valentine soumet l'idée de partager ce que vous retenez de votre expérience avant la réunification. Esprit d'équipe. Chacun des aventuriers considère que vous avez le cœur sur la main. On frappe fort. D'entrée, on frappe fort. Martine, on va l'attaquer. Et Fred, Fred, forcément, entre deux alphas. Ça dit quoi, eux, chez eux ? Valentino, il sait pas trop... Qui est détesté, en fait ? Ah, mais c'est normal, tout le monde nous aime pas et... Eux, ils s'entendent de ouf. Martine, elle aime bien. Eh, j'ai direct Valentino, Martine, il y a quelque chose. Hein. Moi, je serais prêt, je serais d'avis à faire sauter... Mais ils vont finir à 4. Ils veulent aller en finale à 4. Comment je vais pouvoir casser ça ? Il me faut des colliers et que je les fume. Vous soutenez votre amour pour l'aventure et la vie en société. Oui, bon. C'est... Chacun rit de son aventure comme il l'entend. Attention tout de même à ne pas trop impressionner vos coéquipiers. Là, il faut aller chercher à bouffer. Hein. Déborah, Sarah, Valentino. Oh, il y a une team. Ou alors je fais tête-tête avec Martine. Martine, c'est peut-être pas mal. Martine, je l'aime bien. Je vais aller au poisson avec Martine, je pense. Hein. Mais le camp, il y a 3 personnes. 3 personnes, je vais pouvoir prendre full info. Surtout avec Sarah et Valentino. Je vais sur le collier. Et il me faudrait... Vite, 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 là. Faut vite... C'est qui, elle ? Déborah. Je discute Strat. Elle veut bien discuter. Est-ce qu'elle a des infos ? Elle souhaite m'en partager. Martine n'a pas l'air très fiable. Elle me déteste, là. Moi, je suis bien un peu avec tout le monde. Sauf avec Fred. Tu voterais qui, toi ? Elle pense voter contre vous. Bah... Petite alliance ? Je la trahis ? Elle accepte. Elle s'éloigne. Parfait. Elle votera pas contre moi et je vais la trahir derrière. Ils sont où les autres, là ? Le collier, le collier. Oh, le collier. Oh, il y a carrément rien. Il y a même plus de... Ça n'a pas un lien avec le fait que je les ai déjà fait ? Genre, faut que je découvre des nouveaux spots ? On peut pas tourner la caméra. C'est un cauchemar, ce jeu.
Sarah ! Allez, on peut pas aller plus loin ici. Valentino ! Valentino, faut que je m'en fasse mon pote. Un petit morceau de bois, why not ? Ah ok, il est juste... Salut le sang. Souhaite se concentrer sur la tâche, il veut pas vous parler. Si, mère. Ça fait plaisir. Putain. Bien fait d'éliminer Loana direct, hein. Semble occupé, il ne prête pas attention. Yes, aïe. Eh ben top, les gars. On est bien. Eh ben voilà, un peu de bois, là. Mais du coup, il n'y a jamais de collier, en fait. Bah, je vais me noyer dans la mer, moi. Je peux pas aller plus loin. Oh, c'est... Il y a un collier sur toute la map, je pense. Faut que tu changes de spot pour le trouver. Tu penses ? Là, genre, j'ai clean, quoi. Faut que j'aille au truc où je suis pas allé encore. Vous avez rapporté des ressources pour le camp. Du bois, elle a mis un peu de poisson, de l'eau. Bientôt la fin de journée, la tribu se réunit. Vous sentez que l'équipe blanche n'est pas prête de voir le jour. Vous voulez faire comprendre qu'il est bon de l'accepter et aller de l'avant. Oh. Pour vous, la tribu réunifiée n'est que de la poudre aux yeux. Mais non, mais faut pas que j'arrive en frontal. Faut surtout pas arriver en frontal. Beaucoup ont encore du mal à accepter cette volonté, mais le message a l'air de bien circuler. D'une certaine manière, vous êtes satisfait de vous-même. Comment savoir qui a raison, qui a tort? De toute façon, faut qu'on gagne. Hein. Faut qu'on gagne, on n'a pas le choix, là. Les épreuves sont dures. Hein. Alors, le jeu est aussi nul que prévu. Ouais, c'est pas mal nul. Hein. Le temps se gâte et une tempête menace votre camp. Avant même que vous ne puissiez réagir, Fred se propose pour organiser les défenses. Fred donne des instructions claires sur la manière de procéder. Oh, faut que j'aille bitcher. Eh, hey, Martine, tu trouves pas que Fred, il prend un peu trop les devants, quand même? Ouf, non, mais sérieux, quoi. Attends, certes il est militaire dans la vraie vie, mais là on est sur Koh-Lanta, quoi. Oh, c'est pas possible. Hein. En plus il est vraiment fort, faudrait peut-être penser à... Et là c'est bon, là. Martine elle est dans la poche. Voilà, sauf que Fred c'est le gars sûr de Valentino, et ouais c'est ça le souci. Bon, faut prioriser et travailler en groupe, il faut commencer par les stocks. Je propose de commencer par les stocks. Bon bah vas-y, on pense aux stocks. Groupe déploie la perte de matériaux, désormais Fred désapprouve ce sacrifice. Fred semble heureux que vous acceptiez son conseil. Procédez à la protection. De toute façon, moi, faut que je suce les nouveaux. Fred, et voilà, il me kiffe, Fred. Moi, j'ai Martine, Sarah, Fred. Je veux être le dernier des rouges éliminés. Et ensuite, t'inquiète qu'on va douiller, c'est toujours comme ça. Couvrez de feuilles la zone. Grâce à votre efficacité, vous avez également le temps de protéger l'endroit. Malheureusement, votre feu s'éteint, balayé par le vent et les trompes d'eau. Fred vous remercie de l'avoir écouté. Fred, petite alliance. Tranquille, j'ai presque plus d'endurance. C'est vrai que je suis à bout. Hein. Stupeur par manque de bois, le feu s'est éteint. Ce matin, on utilise de l'eau pour améliorer la cuisson. Une partie de la nourriture est avariée. Il n'y a pas assez de nourriture. Fred avait une idée de merde. Hein. Après l'avoir trouvé, Déborah s'apprête à lire le message. Il donne quoi ce jeu à chier, Maru ? Mais c'est marrant, du coup. Savoir toucher juste est aussi important que de savoir esquiver. Savoir toucher juste est aussi important que d'esquiver. Petite tête-tête contre Fred. Moi, j'ai toujours pas mis un... Ah, mais j'ai 8 d'endurance. Hein. Si t'as 0 d'endurance, tu perds. C'est un vrai truc, ça ? Ah, mais faut que je dorme. Je vais faire que dormir. Je peux pas aller chez le médecin, genre, rapido ? Ça peut pas être... En plus, c'est que du confort, là. Déplacez-vous avec le stick gauche. Dirigez-vous vers un tonneau pour faire le plein de balles. Ok, je me déplace. À l'arrêt, visez vos adversaires et lancez vos balles. Sur eux lorsque le curseur de position est vert. Donc tu te déplaces, tu bouges plus. Ça va être horrible, je sens. Ça va être horrible. C'est le pire jeu. Je ne comprends même pas. Mais putain, arrêtez de me victimiser! Mais je ne comprends rien. Mais je ne comprends rien, gros. Là, je l'ai chargé. J'ai jamais chargé un tonneau. Ça vibre. Ah, je t'assure que ça va pas vibrer une fois. Hein. Oh, ils m'ont fumé. Wow.
Oh, j'ai perdu 5 pour ça. Elle a emporté un massage, Martine. Mais j'ai même pas pu récupérer un truc. Après sa victoire, l'épreuve, vous apercevez Martine s'approcher du ciel. Ah, elle va peut-être choisir quelqu'un. Je vais vérifier. Vous vouliez bien faire, mais malheureusement, elle ne veut pas que vous l'approchiez. Elle aimerait un peu d'intimité. Ouais, ça va la grosse tête, hein. Du coup, elle m'aime plus. Moi, c'est Sarah et Fred, de toute façon. Eh, venez, on bite sur Martine, là. Martine, c'est une connasse, il faut le dire. Enfin, je dors. Sinon, je vais mourir, je dors. Oh, mais du coup, je suis le seul à dormir, ils vont me détester, hein. Valentino est fier de montrer qu'il ramène beaucoup de ressources à chaque fois qu'il part en escapade dans la forêt. Je vous propose quand même de l'aider. Fred apprécie votre énergie et Valentino vous accorde un sourire de remerciement. Oh, c'est trop, Valentino, fallait pas. Oh non, quand même. Fred, il apprécie mon énergie, j'ai perdu du lien avec lui. J'étais son ami, je suis devenu neutre. Je dois te dire quoi, en fait? Vos prises d'initiative se font remarquer, c'est un bon point. Ok, c'est pas mal quand même. J'ai compensé là quand même. Non quoi ? Oh non, il nous a quitté. Je me réveille, j'ai pas dormi. Sans le feu, le confort est très réduit sur le camp. Vous ressentez le besoin de vider votre sac. J'ai besoin de me confier. Chacune des personnes présentes écoute ce que vous avez à dire. Vous affectionnez particulièrement le fait de ne pas vous sentir seul au sein de l'aventure. C'est normal d'avoir des petits coups de mou, mais gardez la tête sur les épaules. Non mais je vais crever. Les stocks sont vides. J'ai 2 de vie. C'est au bout du rouleau, mais vous pouvez toujours marcher. Non mais là, c'est perdu en fait. Enfin, genre honnêtement, y a plus de... Repose-toi. Mais non, là, c'est l'épreuve. Et du coup, y a aucune chance, en fait. C'est de la merde. Tu perds 15 par nuit. Enfin, tu perds genre plus de... Tu perds 5 par épreuve, 15 par nuit. Et là, je vais perdre 5, donc c'est perdu. Preuve d'immunité va bientôt commencer. C'est re le même jeu. Trouver 4 totems. Ah non, donc là, t'es juste dans un labyrinthe. Tu ramasses le totem. Tu déposes le totem. Code d'endurance, vous déplacez très lentement. Je dois le ramener où ? C'est vraiment le pire jeu. Hein. Il n'y a pas de question de est-ce que peut-être il y a un autre jeu qui... Non. Non, on est numéro 1 là. Là, on est vraiment sur quelque chose... Il n'y a pas de conteste possible en fait. Et c'est pas donné à tout le monde. Hein. D'être sur un jeu comme ça avec... zéro contestation possible. Là, c'est vraiment du zéro quoi. Hop, ça pose. Alors pourtant que le concept est quand même assez fort, hein, tu vois. En vrai, Koh-Lanta, tu peux en faire un putain de jeu, hein, même à choix et tout, quoi. Tu vois. T'en fais un jeu de ouf de strat, même si tes graphismes et ton gameplay est à chier, tu peux grave faire des trucs. T'as vraiment genre une infinie de possibilités. Le truc de survie et tout. Pourquoi tu joues si t'aimes pas 2.x ? Chapeau, U-U déjà, en réponse. Et ensuite, je répondrai pour tester, c'est ça qui est marrant. Bah, j'ai vu le jeu sortir hier, je me suis dit, bon, faut quand même qu'on teste ça, quoi. Et c'est gagné. Parce qu'il y a un potentiel de fou, quoi. Mais là, du coup, je suis éliminé parce que j'ai perdu trop de vie, là, c'est ça ? Et du coup, je suis à 0, donc fin de l'aventure. Voilà, c'est à chier. Nouvelle saison disponible en exclusivité, Nord vs Sud. Nouvelle carte d'archétype débloquée.
Son humeur est changeante. Et c'est terminé. Non, c'est vrai que c'est quand même... Là, je dois avouer que c'est dommage, quoi. Il y avait quand même quelque chose à faire, quoi. Hein. C'est, on n'a pas fait des épreuves ? Multi, genre. Je prends Kevin. Ah, tu peux jouer à 4, là, en fait. Non, mais ça, c'est multi, pardon. Donc, c'est quand tu branches plusieurs manettes. Individuel. Il y a quoi comme équipe ? Tu peux mettre facile, normal, difficile. Je mets normal, parce qu'on a vu que... Bataille de balles. Feu. Poteau. On fait les poteaux. J'ai pas vu ce que je devais faire. Je sais pas ce que je dois faire, j'ai pas eu de tuto. Ah ok, d'accord. Non, on comprend pas. C'est avec le stick ? Avec le stick, du coup, je dois rester dans le vert. Je pense, je suis Claude, là. Relance une saison. Mais du coup... C'est quoi, c'est un avertissement ? Non, c'est une minute de passé ? Mais en fait, là, tu sais, du coup, je mets des mini, des micro-sticks... Et en fait, d'un coup, ça part de ouf. Et du coup, je mets dans l'autre sens. Donc là, c'était un peu trop, par exemple. Il faut pouvoir pré-anticiper. Là, je suis stick à fond. Du coup, je dose pour pas mettre trop de l'autre côté. Stick à fond. Je dose. Je dose, je dose. Je dose. Quoi, je comprends pas. Je suis que les yeux sur la flèche, mais... Hop, je dose pour pas trop aller de l'autre côté. Il y a pas un mec qui veut tomber, quoi. Genre, vraiment, on va se taper 40 minutes comme ça, là. Juste à doser. Je dose. Je dose. Oui, je dose. C'est un cauchemar. Là, c'est là. Et du coup, t'as une animation qui dure 10 minutes. Wow. Oh, c'est... C'est vrai que... Oh, tir à l'arc. Tire à l'arc, ça peut être cool. Comment on tire ? Parce qu'en fait, là, du coup, quand tu fais juste les trucs... Ah, ok, tu dois relâcher. Ok. Très bien. Est-ce que, genre, tu dois viser... Tu dois anticiper un peu, non ? Genre, du coup, tu mets un peu au-dessus ? Ah non, du coup, tu dois vraiment juste mettre le cœur de la cible. Il n'y a pas d'anticiper... Un peu à droite, non ? Peut-être un peu à droite. Ah, un peu à gauche, là. Ah, j'ai lâché trop tôt, là. Faut faire start et ça met le tuto. Oh putain, le truc qui bouge. J'étais dessus, là. J'étais pas dessus ? Du coup, si on met lui, là. Oh là là. Oh, le gameplay. Plus 2. 3 points, fallait 15. Oh, c'est vrai que c'est... Oh non, mais c'est fou, j'ai envie de tester les jeux là, du coup, attendez. Puzzle. Oh, mais on teste... Option. Oh, bah non, y a absolument pas le tuto. Hein. On m'a menti, là. On m'a menti de fou, là.
Ok, donc tu peux juste tirer comme ça, ok. Alors. Ah, tu peux. Là, tu dois pas le faire à droite, ok. Mais attends, tu peux le tourner, genre ? Non, parce que tu peux pas le tourner. Mais ça, c'est en haut à droite, non ? Tu peux pas le tourner sur lui-même ? Tu peux peut-être tourner. Ah, si, tu peux tourner, ok, d'accord. Bon, là, ça a plus de sens, là. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça du tout. Hein. Il manque pas une pièce? Là, c'est en bas ça. Ah non, parce que je peux pas monter là du coup. Mais alors, question con, mais comment je fais pour. Parce que là, là, j'aimerais le monter là, lui. Et je peux pas monter. Donc en fait, je dois créer ça. C'est le seul truc que je peux faire pour le mettre. Ah, j'ai cru que j'étais bloqué. Et je peux le pousser quand même. Ah, j'aurais pas le temps. Le jeu est insane. Ah, ça joue à rien. Rapproche les justes. Non, parce qu'en fait, tu peux pas le tirer. Mais si, en fait, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. J'ai pas compris qu'on pouvait le sortir. Putain, dommage ça. On n'est pas passé loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Course des sacs. Vous allez devoir traverser un parcours d'obstacles en portant des sacs lestés. Pas mal ça. Belle mécanique trouvée là. Reste appuyé. Non, si tu restes appuyé, ça marche pas. Faut vraiment juste spam. Ah, c'est bon, j'ai pu passer, non? Ah, c'est bon, je passe. Ah, pour descendre, me dites pas que. Non, tu peux pas rester appuyé. C'est fou! Hop. Hop. Non mais c'est hallucinant quand même. Non mais là le jeu est buggé, je pense. Non mais là je pense que le jeu, je pense que c'est buggé. Ah, tu peux faire aide. Déplacez-vous, gravir une pente martelée, franchir une poutre, attention aux zones glissantes. Ah mais là je pense que c'est buggé. On refait, je pense que celle-là a été buggée. Ça arrive, c'est peut-être genre ça s'est mal lancé, peut-être le perso était pas fait pour. On se refait une course de sac. Tranquille, y a pas de, ça arrive les petits bugs. Ah putain de merde. Non, si je reste appuyé, ça fait ça. En fait, ça met juste un coup, faut marteler. Ah non, là, c'est, non, on y est quoi. On y est. Bon, on va peut-être pas se le faire celui-là. Du coup, il a pas l'air dingo quand même. Ah c'est bataille de balles, feu. On n'a pas fait le feu. Créer un feu. Putain. Pas si mal ça. T'as des petits QTE de temps en temps. Putain, il m'a fumé. On refait. Ok, ça j'ai compris, parce que j'avais pas compris au début. On refait, ça c'est pas si mal. Ça c'est un jeu pas mal. Tu spam, y a rien de. Mais au moins c'est pas trop buggé et. Attends, je pourrais démarrer direct. Mais à gauche il fait des bons gros. Personne me bat là-dessus, hein, c'est bon. C'est win. Il se passe un truc quand on win une épreuve simple. Ah, victoire, ouais. Le victoire qui au final fait quand même bien plaisir.
On va se tester l'équipe un peu quand même, histoire de vraiment... panier, ça on avait vu. Cible sous-marine, c'était vraiment de la merde. Course de radeau, on a vu. Communication, on a vu. Construction de radeau, on a vu. Seau d'eau, on a vu. Corde, on a vu. Au final, on a tout vu. Hein. On a fait le tour. Comme quoi... on va quand même surprendre un petit peu de tir à l'arc. On se reprend rapidement un peu de tir à l'arc parce que... Oh là là. Oh là là, me dites pas que... Me dites pas que... Me dites pas que... Eh ben non, ça chie. Hein. Ah, je suis dedans là. Putain, je suis dedans. Là, j'ai mis un peu haut exprès pour que ça redescende, mais non, ça ne marche pas. Hein. C'est vraiment juste avoir le viseur dedans. Ah, il est peut-être... Ah non, il compte, celui-là, il compte, il compte. Ah, il est beau, il est beau. Quoi ? On se fait pas chier. Hein. Putain, c'est bon, j'ai mon score, mec. Oh non, ça l'a loupé. Bon, c'est vraiment... c'est terrible. Ah, hein. Oh, c'est terrible. Bon, bah écoutez, au moins, on sera bien marré en testant ça.